Sacro Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, les gars, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, les gars, toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le pote se retrouve pour un nouvel unboxing d'un petit Colissimo. Donc, je suis désolé, les gars, de me réveiller. C'est pas terre qui m'a réveillé, du coup. Enfin, c'est ma belle-mère, parce que c'est ma belle-mère qui a pris le colis. Donc, les gars, donc c'est un nouveau casque avec un nouveau micro parce que ce micro-là, actuellement, il est dégueulasse quand je suis en stream et tout. Donc, du coup, on va. Ouais, on ouvre avec les moyens du bord, les gars. Tant pis, j'ai rien d'autre dans la chambre. Donc tant pis, on va faire comme ça. Toc. Hey, franchement, il les scelle bien. Hey, truc de ouf. Je vais pas se faire à. Ah, bref, vous m'avez compris, quoi. Donc voilà, on va ouvrir ça. Donc en même temps, les gars, donc, je remercie à tous ceux qui se sont follow à ma chaîne Twitch il n'y a pas longtemps. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment super plaisir. Tac, ok. Donc voilà le casque. Voilà le petit casque et les potes. J'espère qu'il vous fait plaisir. Ok, donc voilà, donc je vais vous donner toutes les caractéristiques après, les gars, vous inquiétez pas. On va déjà commencer par le déballer. Donc voilà, donc c'est le NotBuo. Donc c'est un casque, vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un casque que franchement j'ai regardé beaucoup d'avis. Il y a très peu de personnes donc, qui sont déçues. On s'est compris, hein, la notice. Ok, alors on va commencer par le petit micro, ce que je vois. Avec le petit filtre anti-pop là, comme ça vous n'écouterez pas les peu, les pff, et les soufflements. Hein, voilà, on s'est compris. Ok. Alors, on va voir ça. Ah non, ok! C'est pas le micro! Ok, donc ça, c'est un câble aussi. Un genre de câble, en fait. Pour ceux qui ont des tours, ou pour ceux qui ont des PC portables, comme moi. Bon, moi, mon PC portable, j'ai pas besoin de ça, hein. PC portable, j'ai juste besoin de brancher le câble du micro et terminer, quoi. J'ai pas besoin de me faire chier avec le reste. Ok, maintenant, procédons au déballage. Ok, alors la première apparence, il est vraiment stylé. J'étais vraiment très impatient de le voir. Bon là, de toute façon, il va y avoir une nouvelle vidéo unboxing, les gars, parce qu'il y a une nouvelle manette aussi qui arrive. Une manette à palette. Non officielle, mais voilà, les gars. Je vous dirai tout ça dans la vidéo. Ok. Et voilà. Ok, donc là, nous voilà le petit casque avec marqué. NotBuo, un petit casque qui franchement va à des coussinets qui ont l'air vraiment très 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 super cool à avoir. Ensuite, on va avoir le petit genre de truc en plastique qui aura pas trop l'air de faire mal à la tête. Ok. Donc là, les gars, on a le casque sur la tête. Ok, j'ai une gueule de merde, je sais pas quoi faire. Je suis habillé comme je sais pas quoi. Voilà, j'ai dit, bon, faut que je tourne la vidéo parce qu'il y a Black Ops 4 qui arrive ce soir. Ok, donc là, les gars, donc là, j'ai le micro. Vous inquiétez pas, après, je vais vous faire une vidéo avec le micro. Là, c'était juste histoire qu'on y voie. Après, les gars, je ferai un petit débrief. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien sur ce casque. Donc là, on a le petit filtre anti-pop. Donc, beaucoup d'avis sont un peu, on va dire, comment dire. Il y en a beaucoup qui sont déçus, en fait, que le micro, comment dire, que le on-off soit en fait à ce niveau-là. Attendez, vous ne le voyez pas? Ah ouais. La mise à jour. La mise au point. Bon, ok, bon, ça fera pas la mise au point. Bref, le on-off est ici. Donc beaucoup sont déçus. Donc bon, moi je vais changer un peu l'avis là-dessus. Moi je suis pas déçu parce que après, voilà, vous mettez sur off. Et vous mettez votre petit filtre anti-pop. Franchement, je vois pas pourquoi les gens seraient déçus en fait. Parce que. Bon, ok, bon, pour ceux qui sont sur PS4, c'est vrai que c'est la merde. Mais après. Après, voilà. Comment dire. C'est pas trop décevant. Parce qu'après, comme moi qui suis sur PC, voilà, tac, t'as juste à couper ton micro avec la souris, c'est pas compliqué. Et si t'es sur PS4, bah, tu mets tout simplement pas le filtre anti-pop si tu fais pas de stream. T'as pas besoin d'avoir une belle qualité de son pour jouer avec tes potes, tu vois ce que je veux dire? Bref, faut aller voilà. Donc, bon, à l'apparence normale, franchement, il est très beau. Alors par contre, les gars, c'est un casque
Hyper léger. Là, j'ai le rig 400. Le rig 400 HS. Hein. Là, les gars, je fais une comparaison. Alors là, on a le rig 400 HS qui est franchement très confortable. Je ne le critique pas. Il est vraiment nickel. Là, il n'a pas de micro. Celui-ci est plus gros niveau des écouteurs. Il a le micro. Et franchement, c'est celui-là le moins lourd. Alors qu'il a des arceaux en acier. Et celui-là, c'est rempli de plastique partout. Donc c'est assez impressionnant quand même, je suis vraiment impressionné. Ensuite, niveau du câble, franchement, c'est what the fuck. Le câble est franchement nickel. Donc du coup, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer sur le PC et je vais faire une vidéo pour vous montrer la qualité du son et vous me direz ce que vous en pensez. À tout de suite. Ok, donc là du coup les gars, j'enregistre avec le casque. Donc je sais pas ce que ça donne, j'espère que la qualité est bien. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du casque, si vous trouvez qu'il est mieux que le rig 400 que j'avais avant. Franchement, après celui-là, normalement, il est plus puissant. Genre, on va écouter. Tac. Je vais mettre un petit play. Ok, donc derrière les gars, j'avais oublié de préciser. On a une petite molette, regardez. On a une petite molette. Donc, qui est pour le son. Qui en fait, cette molette, comment dire, va servir à baisser ou augmenter le volume. Bref, voilà, on va mettre pause. Et franchement, j'écoute mieux la musique alors qu'elle est au minimum avec celui-là qu'avec le Rig 400. Bon, après, celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il est convertissable PC normalement. Et l'autre ne l'est pas. Mais là, franchement, celui-là, il l'est. Donc, pour le coup, c'est super cool. Mais du coup, voilà. Donc, j'espère que le casque vous aura fait plaisir. Ce que j'espère, c'est que ça va augmenter un peu la qualité audio. Parce que, bon, après, j'avais vu déjà la qualité audio. J'avais vu comment qualité. Bon, après, moi, je pense que j'aurai quelques réglages à faire à partir de OBS. Mais franchement, j'espère qu'il vous plaira, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, les gars, c'est la récompense. Et puis moi, sur ce, bah, les gars, je vous retrouve pour le prochain unboxing qui sera une nouvelle manette à palette. Allez, les potes, sur ce, à plus tard. Ok, donc maintenant, les gars, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver de bien donc dans ce casque? Alors, dans le Nobo. Alors, on va retrouver donc un casque super dynamique, super beau niveau design et franchement très confortable, à part les petits coussinets qui sont en cuir et qui sont malheureusement pas inclinable, ça c'est un petit point négatif, mais franchement ça reste un bon point positif parce que le casque en lui-même n'est au prix que de seulement 29,99€ sur Amazon. Alors après on est sur de la marque Nobuo, donc c'est une marque qui reste vraiment à découvrir, c'est une marque vraiment bien. On va rester sur un micro non détachable, d'après ce que j'ai pu voir. On va rester sur un micro avec le petit filtre anti-pop livrable, ça va être franchement nickel avec le petit micro on-off en bout. On peut incliner le micro jusqu'à 360 degrés vers le bas comme vers le haut. On va avoir une belle boîte vraiment avec un très fort design et franchement très apprécié. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'après on aura fait le tour. Donc au niveau de la tête, donc pour l'instant ça fait pas mal. Franchement, ça a l'air plutôt confortable. Ça a l'air d'être un casque qui franchement peut durer assez longtemps. Donc en espérant bien sûr qu'on peut faire comme moi qui geek H24 les bêtas. Les trucs comme ça, en espérant que moi je vais pouvoir geeker, je sais pas moi par exemple, Black Ops 4, pendant des heures je vais pouvoir le geeker en espérant sans avoir mal. Sinon je vais être obligé de revenir sur le rig 400 HS. Et franchement ça me ferait un peu chier, on va pas se le cacher. Parce que franchement j'ai acheté ce casque-là, parce que franchement il est vraiment très bien. En plus il a des écouteurs en 50 mm les gars, ce qui fait que beaucoup de monde peuvent les mettre. Enfin, peuvent mettre le casque et ça c'est un point très positif. On va retrouver quand même une notice avec pour ceux qui vont l'acheter pour PC avec un petit câble convertisseur pour le brancher, pour brancher le micro et le casque. Et puis voilà. Donc sur ce les gars, Bastacro Gaming, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, n'hésitez pas à aller acheter le casque les gars parce que franchement il a l'air vraiment très bien. N'hésitez pas à venir sur mon stream pour m'en demander en globalité. Peut-être que j'aurai des nouvelles informations à vous donner. Mais sur ce, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous donner. J'espère qu'il vous plaira en tout cas. Et puis voilà. Bon, moi sur ce, les gars, c'était Acrof Gaming. Je vous dis à la prochaine. Ciao.